Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui, je vais vous transmettre des petits messages. C'est du général, donc vous prenez uniquement ce qui résonne au plus profond de vous. Je ne sais pas du tout sur quoi ça va porter, on va le découvrir ensemble. J'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va. Et je vais voir un petit peu ce que je peux vous transmettre aujourd'hui. Alors là, je vois une personne en fait, soit qui est pauvre, soit qui a des problèmes financiers, soit qui est pauvre. Donc ça peut être pauvre par rapport à un cercle amical, professionnel, sentimental, amical, enfin voilà, tous les domaines de vie. Soit on ressent une énorme pauvreté en fait. On se sent seul aussi. Je ressens une personne qui se sent seule. Je vois une personne en fait qui affronte énormément de voilà. Énormément d'événements, de problèmes, de quoi, qui seul. Mais je vois en fait que par rapport à toutes ces choses, il va y avoir un changement. Un changement parce qu'en fait, je vois une personne qui peut se rendre malade en fait. On se rend malade au point voilà, d'être seul, de tout affronter seul en fait. Je vois que ça peut déclencher certains stress, angoisses. Des déséquilibres en fait par rapport à votre santé, par rapport à votre bien-être. On vous dit aussi que vous n'êtes jamais seul, vous êtes toujours relié à des personnes qui sont dans la bienveillance, dans l'amour, dans les énergies positives pour vous soutenir, pour vous apporter une écoute, pour vous apporter plein de belles choses en fait. Et en fait, voilà, dites-vous bien que vous n'êtes jamais seul, hein. Par rapport aux événements que vous pouvez traverser, vous avez aussi vos guides, vos anges gardiens, l'univers, le Tout-Puissant qui sont avec vous, hein. Et en fait, je vois que vous allez avoir les grands honneurs par rapport à tout ce que vous avez pu vivre. Pour moi, ce changement va vous apporter un mieux-être, un bien-être. Votre santé va, vous allez retrouver une très très bonne santé, de l'énergie, de la vitalité, et vous allez avoir les grands honneurs en fait par rapport à tout ce que vous avez pu traverser dans votre vie. Vous allez avoir les grands honneurs. Vous allez être aussi reconnu par des personnes qui vous sont chères, par des personnes qui vous entourent. Vous allez être reconnu en fait. Vous allez être peut-être reconnu aussi par rapport à tout ce que vous avez pu vivre dans votre vie. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Vous allez aussi être reconnu en fait par rapport à ce changement que vous allez opérer dans votre vie et qui c'est un changement en fait qui sera bon hein, parce que là ça impacte, ça vous impacte, ça vous déséquilibre un petit peu dans le tout. En tout cas, je vois un grand bonheur qui arrive. Un grand bonheur qui arrive par rapport à tous ces changements. Un grand bonheur aussi par rapport à des occupations, par rapport à des loisirs, par rapport à des choses que vous souhaiteriez mettre en place. Je vois une personne qui est occupée en fait, qui est occupée à atteindre ce grand bonheur, à être bien entourée autour d'elle. Peu importe les domaines quels qu'ils soient, je vois aussi, on est très occupé aussi à un certain changement, à laisser aussi certains événements du passé qui ont pu peut-être vous rendre pauvre dans tous les domaines un petit peu dans votre vie. Ça peut être aussi sur le plan financier. En tout cas, on est très occupé à tout, voilà, à aller. Vers ce grand changement qui va vous apporter un grand bonheur. Je vois cette personne qui peut être un petit peu bloquée dans une certaine forme de désespoir, mais le grand bonheur arrive. Donc, sortez de ce désespoir. Le grand bonheur, on vous dit que le grand bonheur arrive et voilà. On peut être tellement dans une forme de désespoir, une certaine forme de blocage en fait, que ça apporte aussi certaines formes de maladies, du stress, de l'anxiété, des angoisses, enfin tout, voilà, tout ce qui est pas très très bon pour le corps, pour le psychique, pour tout, pour le psychologique, pardon, psychologique, pour tout. Y a un désespoir, mais il y a le grand bonheur qui arrive.
En fait, je vois que vous allez réussir à vaincre ce désespoir, vous allez réussir à le transformer en bonheur, en grand bonheur. Et ça sera bon pour votre santé. Je vois une personne qui peut être bloquée, en fait, aussi, avoir du désespoir par rapport à des choses qui sont liées en justice ou qui le seront par rapport à quelque chose qui doit être jugé. Je vois beaucoup de peine au sein même du professionnel, dans le professionnel. Et on est très occupé aussi par rapport à des choses qui nous peinent énormément dans le professionnel. Ça peut aussi apporter beaucoup de tracas, beaucoup de... On n'est pas bien. Je peux avoir une personne qui n'est pas bien. Je vois une femme. Qui peut vous être autour de vous en fait. Je vois une personne fausse. Cette femme peut être fausse en fait à votre égard. Peut être fausse aussi au sein de votre foyer, peut-être de votre famille. Et en fait, je vois la mort, hein, la mort de ce lien, peut-être une rupture. Une rupture. Et après, on parle d'une nouvelle rencontre, en fait, avec vraiment du succès. Vous allez avoir du succès en amour. Je vois un succès en amour, mais il peut y avoir un certain blocage par rapport à des enfants. Et on vous dit de ne pas rester fixé sur ce blocage, de voir un petit peu plus loin en fait par rapport à ce blocage. On peut être préoccupé en fait par rapport au financier, par rapport à un enfant. Est-ce qu'on va pouvoir subvenir à ses besoins? Est-ce que, voilà, même si vous choisissez le succès en amour, est-ce que vous allez pouvoir subvenir aux besoins de votre enfant? Et je vois la rentrée d'une somme d'argent pour vous qui va arriver à vous. Mais je vois que vous pouvez vous bloquer à une certaine forme de cadeau. Peut-être ne pas accepter. Ouais, on bloque ses pensées par rapport à un certain cadeau. Je vois une personne qui réfléchit énormément chez elle. Hein. Toutes ces choses. Et je vois des correspondances qui vont arriver vers vous. On va correspondre avec vous. Et sur ces correspondances, ça va bien se passer. Vous avez les grands honneurs. Et je vois après ces correspondances, en fait, vous allez vivre ensemble quelque chose de très beau avec une personne. Vous allez vivre regardez. Une longue route, hein. Regardez. Vous allez vivre une longue route en fait ensemble. Cette personne peut être actuellement bloquée. Je vois que cette personne peut être bloquée. Soyez pas dans la patience. Je vois cette personne. Je vous vois non. Vous devez être dans la patience. Il peut y avoir une prison autour de cette personne. On peut être bloqué par rapport à des vols autour de cette personne. Je vois aussi de l'argent inespéré qui peut être bloqué en fait. Ça peut être des contrats qui sont bloqués. Mais par rapport à tout ça, vous devrez vraiment être dans la patience. De toute façon, je vois un retour de cette personne vers vous. On va vous courtiser. Hein. Je vois un autre homme aussi autour de cette personne, ou c'est cette même personne qui va peut-être recevoir un message inquiétant qui va bloquer encore plus. Cette personne et ce message inquiétant, ça va provenir de quelqu'un. De quelqu'un autour de cette personne. Et en fait, ça va encore plus bloquer un certain déplacement, un certain voyage vis-à-vis de vous.
On parle de tribunal, hein. Cette personne va peut-être recevoir un message qui va l'inquiéter par rapport à sa situation actuelle. Et je vois en fait vraiment cette personne passer aller au tribunal. Voilà tout ce que je devais vous transmettre. Bon, bah, c'était un réel plaisir pour moi. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des likes, à vous abonner si c'est toujours pas fait et que vous désirez le faire. Moi, je vous fais des millions de bisous. Prenez bien, bien soin de vous. Et je vous dis à très, très vite pour les prochaines guidances. À bientôt!